Aloha, bonjour à tous et à toutes. Brave. Alors, bienvenue à Brave Rewards. Oui, Rewards, donc c'est les récompenses. Donc, l'idée de Brave, c'est nous aider à être à stopper tous les cookies publicitaires. Et donc, par rapport aux pubs, être rémunéré par l'advertiser, celui qui fait les pubs, qui lui-même rémunère les publishers, et nous-mêmes on peut donner une contribution aux publishers qu'on aime bien, ou en automatique ou ciblé. Voilà, donc les Brave Private Ads vous octroient des jetons afin de soutenir les créateurs de contenu, contrairement aux publicités traditionnelles, tout en maintenant la confidentialité de vos informations personnelles. Où apparaissent les pubs? Les Brave Private Ads apparaîtront comme une notification normale. Vous contrôlez la fréquence à laquelle vous voyez ces publicités dans les paramètres. Quand recevez-vous vos récompenses? Les jetons que vous avez obtenus via les Brave Private Ads au cours du mois actuel arriveront le 5 du mois suivant. Redonnez sans effort. Les créateurs reçoivent automatiquement vos jetons en fonction de vos niveaux d'engagement que nous mesurons comme attention. Oui, leur monnaie. Attendez, vu que c'est une crypto-monnaie, le token, c'est le BAT. Je commence à connaître quelques termes, mais je suis tout nouveau. BAT, Basic Attention Token. Voilà. Dites merci en laissant un pourboire. Donner un pourboire est une façon d'encourager de manière personnelle et de soutenir les contenus ou créateurs que vous aimez vraiment. C'est parti pour les pourboires. Send tips, donc donner pourboire. Comme je vous disais, les BAT qu'on voit en haut à droite sur le triangle. Alors le mois dernier, pour une semaine d'utilisation, j'étais monté à 193 BAT, je crois, un truc comme ça. Et j'avais pas fait beaucoup de recherches par rapport à l'habitude en plus. Alors, que pouvez-vous faire avec vos jetons? Les jetons peuvent être utilisés au-delà du soutien aux créateurs. Vous pouvez acheter du contenu digital et d'autres produits à mesure que les commerçants nous rejoignent. Qu'est-ce que j'avais vu, moi? On a accès aussi... Attendez, parce que je suis sur l'ordinateur aussi. Je l'ai installé aussi sur l'ordinateur. Il y a aussi l'option. On peut accéder à... Comment je dirais? Portefeuille... Comment il s'appelle ça? Est-ce que c'est la Rewards? Septembre... Ah oui, alors voilà, ouais, septembre, j'ai fait 0,250 baht, ce qui est égal à 0,19 USD. Retirer des fonds, ajouter des fonds. Ah, ça y est, ok, alors paramètres, récompenses, Braveheart, historique, favori, téléchargement, portefeuille de crypto-monnaie. Voilà. Sur le navigateur, en tout cas ordinateur, ça apparaît. Alors, attendez, ce sera où ça? Ce sera dans Brave Rewards. Donc ça devrait être le triangle aussi, hein, je pense. Ouais. Paramètres de récompense, ouais. Ce sera aussi sur le triangle. Sur le navigateur smartphone. Ouais, voilà le symbole qui est au centre de l'image là. Alors pour finir, et si on vous aidait à prendre vos marques avec les paramètres de base? Vous pourrez changer ça plus tard. À quelle fréquence voulez-vous voir des publicités? Moi j'ai mis 5. Quel montant souhaitez-vous accorder aux créateurs? Souhaitez-vous accorder à vos créateurs préférés pour les soutenir?
donc c'est provenant de vos revenus publicitaires. J'ai mis 5 pour l'instant, après je verrai comment ça se passe. Et sur l'ordinateur, je crois que j'ai pu mettre plus. Je crois que j'ai pu mettre 15. Contribution totale. Je sais plus où c'est. Je sais plus où j'ai vu ça. Attendez, historique, favori, historique, paramètres peut-être. Bon, je retrouve pas. Mais je sais que j'ai mis plus que 5. Là, c'est sur smartphone et sur l'ordinateur, j'ai pu aller plus loin. Waouh, vous êtes fin prêt. En utilisant Brave Rewards, vous protégez votre vie privée et contribuez à faire du web un endroit meilleur pour tous. C'est génial. Ok. Masterclass Limited Time Offer. Alors, il y a une offre limitée pour une masterclass. Attendez, c'était quoi le reste? Masterclass. Qui reviendra plus tard. Résumé des récompenses. Est-ce que c'est quoi ça? Ok. Alors, all catégories. Masterclass. Acheter. Une masterclass annuelle, membership pour vous-même et another free to give special. Ok, alors je crois que c'est deux memberships pour le prix d'un, on peut avoir deux places, si je comprends bien. Alors je sais pas si une masterclass, pourquoi. Sign up. Annual membership, get one free. Get one annual membership to stream. Stream. Exclusive relation. From the world best. Donc, chacun peut apprendre du meilleur du monde. Si c'est pour faire du stream sur chacun des appareils, stream on any device, quelque chose que j'offre en ce moment qui permet de streamer, faire des lives à partir de Facebook vers YouTube et Twitch en simultané. Oh, c'est bien, ils ont 5 réseaux sociaux. Il en manque qui? Ah oui, ok, là il y a YouTube et LinkedIn. Et moi dans mon service, à partir de Facebook, pour poster en un clic, ça fait Facebook.
Twitter, Instagram, Flickr, Tumblr, Buffer et Pinterest. Et après, de YouTube, il est possible aussi de faire des choses. LinkedIn, je me souviens plus dans le logiciel, mais c'est bien, ils sont déjà sur 5. Amazon App Store. Ah bon? Roku Channel, connais pas. Google Play, on voit. App Store, on voit. English US. Bon, écoutez, c'est une des premières pubs. Qu'est-ce que je voulais montrer? Ah, ça y est. Binance, ok, activer la connexion pour afficher le solde du compte. Binance et faire du trading de crypto. Oui, parce que de toute façon, les bahts, on peut les transformer en USD comme je vous l'ai lu, comme vous verrez. Et donc, l'USD est très connu. BAT, j'en avais vite fait en entendu parler. Et puis, Binance aussi, y a qui? Ah, j'ai entendu d'autres choses, d'autres noms, mais là. Cupcake, je sais plus quoi. Je sais plus. Market cap. Coin. CoinMarketCap, un truc comme ça aussi. Enfin voilà, vous découvrirez tout ça aussi. Alors continuez. Bon, bah, je m'inscrirai plus tard. Enfin voilà, présentation. Moi je voulais vous montrer quoi. Ah, est-ce que je viens d'activer du coup? Ouais. Voulais vous montrer comme quoi ça monte très vite. Ça m'a déjà dit. Alors, vous gagnez des jetons en visualisant cette image. Moi, je vais vous montrer le montant. Pourra afficher le compte Binance. Ouvrez les sites que vous consultez fréquemment. Statistiques de confidentialité, blocage des trackers et des publicités. Bande passante économisée. Ah oui, sur l'ordi, ouais, ça m'affiche tout sauf Binance que j'ai pas encore. Et tiens, il nous parle de Bitcoin et Ethereum. Future trading fees. Fees, je crois que c'est des. Des pourcentages. Leverage. Pourcentage sur les montées et les descentes, je crois.
Ou les comebacks. Il me semble pas que j'en ai ouvert déjà. Non, sauf si ça m'a ouvert automatiquement dans... Je verrai ça plus tard. Moi, ce que je voulais vous montrer. Voilà. Un éditeur. Ah. Ok. Donc voilà. C'est ceux qui sont bien inscrits chez Brave qui vont recevoir les nos pourboires. Donc là, c'est bien un éditeur vérifié, authentifié, Binance. Ok. Bon, bah, on va couper là. Donc Binance qui existe depuis 2017. Je crois qu'on peut mettre en yes, c'est cool. Sombre. Enfin, c'est bien. Bon ben voilà, vous avez un petit peu visité au moins. Qu'est-ce que c'est ça? Ouais, et ensuite. Ok. Tac. Ah ben voilà, ça commence à fonctionner. Trois publicités et autres éléments indésirables bloqués. Comme sur l'ordi, ça commence à donner des stats. Brave Shield, bouclier Shell, bouclier Brave. Oh, ça veut dire EV. Et ça, je ne sais pas encore où est-ce que ça serait. Autorisé, ouais. Fichier multimédia, je ne vois pas à quoi ça me servirait. Des annonces, je pense que ça me sert bien. Bon, allez, voilà. Si je voulais essayer de vous montrer, dès que j'aurai tout transvasé, je le mettrai par défaut. Voilà, ça vous donne des stats, 25 traceurs et annonces bloquées, données enregistrées, 175 KB. Pas leur nom. Alors, get 90% de commission. Wow. Ascendex.
je voulais vous montrer comment ça monte là, les battes, mais attendez. Comment j'ai fait ça? 5. Ouais, choisissez le moteur de recherche par défaut. Privé et sans tracking. You want dont je parle hein. Bing, you want DuckDuckGo, Startpage, Ecosia, qu'est-ce que j'avais aussi cité, Safari, Yahoo, Firefox, donc tous les endroits où j'étais apparu. Ah oui, YouCare aussi. Tous les endroits où j'étais apparu avec Showroom eShop à l'époque. Où j'ai découvert le service que je propose, hein, visibilité web. Poste en un clic sur les réseaux sociaux que je vous ai dit tout à l'heure. En simultané. Et j'avais réussi à arriver sous Showroom privé. Il faut que je prenne une capture d'écran. Alors lequel, je sais pas moi lequel choisir. Parce que Google, il y a plein de... Bing. Un start page, les résultats Google sans tracker. Ecosia, plante des arbres, basé à Berlin. J'aimais bien pour l'idée. Je sais pas après on peut changer sur nom, mais je sais pas qui mettre là pour l'instant. Allez, on va remettre un petit coup d'Ecosia. Après, on pourra modifier ça. De toute façon, Ecosia, je crois que ça marche avec Google, d'après mes souvenirs. Qu'est-ce que je cherchais? On va faire un petit coup de... Les publicités sont bloquées pendant le visionnage des vidéos sur ce site. Les vidéos sans publicité utilisent moins de données. Voilà, ici, je vous rappelle que YouTube, c'est Google, hein, une filiale de Google qui utilise les fameux cookies. Bref, ça va vous laisser personnaliser. De toute façon, ils seront bloqués. C'est quoi cette présentation? Non, qu'est-ce qu'il fait là, Kevin?
16, je vais vous montrer. 6. Recevoir un paiement pour Gold. Je sais pas, je reviendrai plus tard. Ça marche pas là. Gagner des jetons en regardant les ok. Ah, ça veut marcher directement sur l'ordinateur. Hein? 1er janvier. Ah. Attendez. Voilà, je savais bien qu'on pouvait en mettre plus. Publicité pour être plus payé, j'avais bien en janvier. Il est fatigué là. Ah bah voilà, gain actuel du mois 0,040, ce qui fait 0,03 USD. Voilà, ça y est, je vous ai montré. Ça y est, ça s'est mis à jour. Donc voilà, je peux enfin quitter. Et là, ça devrait aussi se mettre à jour. Bon, c'est bizarre, ça apparaît... sur l'ordinateur ça apparaît direct et là ça veut pas, mais bon, ça est sur l'autre côté. Merci. Voilà, voir voudrait partout. Regarde ça. Ah oui, alors attendez, regardez. Trois USD. Le truc, c'est que moi, je suis que dans les 0, ce sera même pas ça, quoi. Donc, pour l'instant.
peut choisir fast, je savais pas. 5 secondes. Une visite. On peut mettre 5, hein. Nombre minimum de visites pour considérer l'éditeur comme pertinent. Comme pertinent. À partir de 5. Afficher les sites non vérifiés dans la liste autorisée, contribution à des vidéos. Ok. Je dis que j'ai combien, c'est rond. Ah, je suis même pas à 1000. Je verrai à la fin du mois, parce que j'ai pas encore de recul sur un mois complet. Sur l'ordinateur, je suis qu'à 2 semaines d'utilisation. Donc ça, je renclencherai plus tard. Et voilà, on a fait le tour. Ciao, ciao. J'ai pas le temps, ça a duré. Il est trop de toi. Voilà, voilà. Si j'ai un lien de parrainage, je le mettrai dans la description. Qu'est-ce que je peux vous mettre Ah, si je trouve 2-3 choses, je les mettrai dans la description. Là, je sais plus où je suis. Qui suis-je Enfin voilà, abonnez-vous, likez, commentez, partagez. Merci par avance. Ah si, petite news, les YouTube Shorts, on peut les faire sans être obligé d'avoir les 1000 abonnés et 4000 heures de visionnage. Je croyais que c'était que pour les youtubeurs qui avaient le palier. Mais j'ai pu faire un short test aujourd'hui ou hier, je sais plus. Non, c'était aujourd'hui, ouais. Sur un transformer. Donc voilà. C'est ouvert à tout le monde. Ça s'appelle la belle époque où je pouvais faire des lives. Il n'y avait pas encore cette histoire de, il fallait les 4000 heures et 1000 abonnés là. Enfin voilà, au moins les shorts, c'est ouvert à tous. Allez, je vous laisse. N'oubliez pas de liker, commenter, partager sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter, Tumblr, Vicaire, Buffer, Pinterest, LinkedIn. Si vous êtes sur Dailymotion, allez-y. Twitch aussi. Enfin partout. Merci. Bye.